Le prince Kaleset, il est utilisable dans vraiment aucun moyen, quoi. Alors, prince d'Aldaram, qui est aussi très nul. 3-3 pour 3, cri de guerre. Si votre deck ne contient pas de cartes coûtant 3 cristaux, se transforme en copie 3-3 d'un serviteur. J'ai réfléchi, enfin, je trouve que c'est vraiment une carte mauvaise, qui sera jamais jouée comme le prince Kaleset. Sauf peut-être peut-être dans un druide où on fait sang de l'ancien, innervation, prince d'Aldaram, vu qu'on a que les idoles de jade, enfin on a que les floraisons de jade en T3, peut-être en druide, enfin après à voir ce qu'il y aura d'autre plus tard. Et du coup, ça nous fait la 30-30. Ça peut être un très bon combo, mais par contre, c'est très occasionnel. Faut avoir les trois en main, vu qu'il faut avoir l'innervation, le prince d'Aldaram, pas de T3 et le sang de l'ancien. Du coup, c'est chaud. Et en plus, ça serait lent. Et puis, enfin, à jouer, ça serait chiant un peu aussi. Et puis, ça sera jamais joué, vu que, enfin, à part peut-être dans ce truc-là, mais ça sera, je pense, pas vraiment des trucs qui seront joués en classé ou en je sais pas quoi. Et enfin, le prince Valanar, qui est le prince que je trouve le plus fort, enfin le moins faible, des trois. Il y aura sûrement un prince T5, je pense. 4-4 pour 4. Si votre deck ne contient pas de cartes coûtant 4 cristaux, gagnez vol de vie et provocation. Il y a certains decks qui n'ont pas de T4, genre par exemple un voleur, il n'y a que Sherazin, enfin, qui pourrait éventuellement être remplacé, même si je pense pas, vu que ça c'est quand même bon. Enfin, Sherazin est quand même bonne. Gagne vol de vie et provocation. Du coup, déjà, même c'est pas un effet ouf. Enfin, c'est une 4-4 pour 4 vol de vie provocation, quoi. C'est comme un barbe-feu, mais sans le bouclier divin. Et doublé. Mais du coup, et en plus, il y a une condition. Du coup, je trouve que c'est plutôt mauvais. Du coup, voilà. Enfin, c'est pas ouf. Alors, le professeur putricide. Très bonne carte. 5-4 pour 4. Une fois que vous avez joué un secret, place un secret de chasseur aléatoire sur le champ de bataille. Imaginez que vous. Enfin, par contre, dans certains moments, quand on a plein de petits boards de 1-1, de 2-2, etc., avec la hyène, etc., enfin, en début de game, par exemple, genre T4 ou T5, et que ça nous pose un plage explosif et que ça nous détruit notre board, bon, c'est un effet secondaire. Mais bon. Après, très souvent, c'est très très value parce qu'un secret ça coûte quand même 2. Puis imagine T3, on fait la chasseresse encapuchonnée. T4, putricide, elle est pas encore morte. On fait les secrets. On s'en met peut-être 2 ou 4 comme ça, facile, gratuitement. Et du coup, ça peut être très fort. Même si la plupart des secrets chasseurs sont pas ouf ouf, à part piège de givre, piège explosif et peut-être piège à serpent, enfin. Après, je trouve pas qu'il soit ouf, mais ça peut être vraiment cool avec Putricide, vu qu'il apporte déjà beaucoup de value et qu'en plus, peut-être un chasseur secret, ça serait cool. Du coup, très bonne carte. Vraiment une très bonne légendaire chasseur. Pas mal mieux que les autres, je trouve. Au niveau de. Enfin, déjà, du moins pour ce truc-là, mais. Il me semble que chasseur contrôle. Enfin, chasseur secret, ça a déjà existé, je crois. Mais après, t'as des trucs qui peuvent être un peu plus lents avec certaines autres cartes chasseurs. Mais Putricide sera joué si jamais il y a un chasseur secret, c'est sûr à coup sûr. Reine de sang, Lanatel. Alors, c'est une 1-6 pour 5. Déjà, c'est des stats très très faibles. Vol de vie, gagne plus 1 attaque pour chaque carte dont vous vous êtes défaussé pendant cette partie. Si on l'a en main de départ, on va sûrement la défausser. Si on la pioche trop tard, bah, elle servira un peu à rien parce qu'en fin de game, voilà, c'est un peu chiant. Même si le vol de vie est toujours intéressant. Imaginons que T1, on fasse un feu de lame, que le T2, on pose la 3-2 qui râle d'agonie, fait piocher une carte. Qu'au T3, on police. Je sais pas, au T3, on défausse encore une carte. Et puis comme par hasard, on a de la chance, on invoque à chaque fois les golems d'argenterie, ou alors on défausse des petites cartes qui servent à rien, puis ensuite T4 on fait Gangrechien à la carry, et même là ça va être une 5-6 pour 5 vol de vie, si on la pioche pile au bon moment, et en plus on aura vidé toute notre main, on aura détruit notre main, du coup c'est pas ouf, et vraiment dans quasiment aucun cas elle est bonne, du coup j'aime pas trop cette carte, même si elle peut être intéressante.
Elle est un peu nulle, je trouve. Je préfère largement la matriarche Zavas. Alors, Rexxar, même si c'est pas du tout la même chose. Rexxar, enfin, un petit peu quand même. Rexxar le nécrotracteur. tracteur à mer. Cri de guerre inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses pour 5. Enfin, pour 6. Donne 5 d'armure. Bon, déjà, son pouvoir. Enfin, son cri de guerre, c'est une consec. Mais un chasseur, ça peut être cool vu que c'est comme un piège explosif, mais que pour les ennemis. Enfin, du coup, c'est bien. Enfin, du coup, c'est pas du tout comme un piège explosif, mais bon. Et pour 6, avec les 5 points d'armure, etc., et même ça, ça fait du bon 4, 5 et demi de mana. Et le pouvoir héroïque, même si beaucoup de gens le critiquent, il peut être pas mal intéressant. Je pense vraiment que ça peut être très intéressant comme mécanique, étant donné que, imaginons qu'on prenne le port 1-1 charge, mélangé avec une autre bête qui est énormément d'attaque par rapport à ça. Bon, là ils disent que les bêtes coûtent 5 cristaux au moins parce que ça dépasserait les 10 cristaux, mais moi enfin, je suis pas certain parce que ça n'a pas réellement été confirmé, mais je pense que c'est surtout la somme qui doit pas dépasser 10. Du coup, si genre on prend un T7 au premier, on n'aura que des T3 au moins après. Enfin, j'en suis pas sûr, mais imaginons qu'on prenne, je sais pas, pour 5, il y a quoi? Le Rhino, c'est pas une très bonne. Un très bon exemple, mais. De la toundra, enfin. Mais, je sais pas, une bête avec pas mal d'attaques. Enfin, ou je sais pas, on prend un Raptor Rouge Fange, plus le Pingouin pour 0. Bah, ça nous fait une 4-3 pour 2. Ce qui est plutôt bon. Puis même le petit pingouin pour 0, c'est pas une carte de ouf, hein, mais si jamais on a besoin de mettre des bêtes dans ce deck, ça peut faire des bonnes combos. Et puis tous les serviteurs avec charge déjà, toutes les bêtes avec charge, on les mélange dedans, et puis ça fait un truc bon. Le problème, c'est que ça coûte 2 de plus. Mais après, on peut le garder dans notre main, et puis même, il y a des combos qui peuvent être très intéressants. J'ai vu quelqu'un qui avait dit Kodo de Caval plus. Plus chien du magma est égal à la pyro du chasseur. Ça peut être stylé, ça peut être stylé. Mais voilà, je pense pas que ce soit la carte du monde, mais je trouve vraiment l'effet très très intéressant. Vraiment, j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Syndragosa, la légendaire du mage. 8-8 pour 8, déjà c'est très solide. En plus, l'artwork est vraiment stylé. J'aime beaucoup l'artwork de Rexxar aussi. Le Nécrotracker. J'ai du mal à dire Nécrotra. Enfin, bref, peu importe. 8-8 pour 8, déjà, c'est plutôt solide. C'est un peu comme les autres dragons. Bon, même si à l'extra ça coûte 9. Enfin, voilà. Ou alors Nosdormu, mais. Que d'ailleurs j'ai désenchanté, mais peu importe. Invoque deux champions gelés, 0-1. Un champion gelé, c'est une 0-1. Râle d'agonie, ajoute un serviteur légendaire aléatoire dans votre main. Et comme je le disais tout à l'heure, avec ce pouvoir héroïque là, c'est très fort. Et même tout court, c'est très fort, vu que déjà en plus c'est un dragon. Enfin, un mage dragon, c'est pas très possible, mais c'est quand même un petit bonus. Et invoque deux champions gelés, etc. Du coup, ça peut être pas mal bon. Et puis, même si jamais via une messagère de la cabale, on le chope en prêtre, ça peut être cool. Vu que prêtre dragon, peut-être qu'il y en aura à nouveau, même si j'y crois pas trop. Du coup, voilà, Syndragosa, vraiment une carte très intéressante que j'aime beaucoup. Thrall, le mort-voyant. Cri de guerre transforme vos serviteurs aléatoires en serviteurs qui coûtent 2 cristaux de plus. Pour 5, c'est une double évolution. Et donne 5 d'armure. Du coup, c'est très fort, vu que, imaginons, T10, on fait Doppelgangster, enfin, je sais pas, Gangster EO, plus Thrall, le mort-voyant, et on se retrouve avec 3 T7, pas possible, là, par exemple, il n'y a pas de T7 intéressant. Au niveau stats, hein, je veux dire. Mais genre, on peut se retrouver vraiment avec des bons. Enfin, avec des très bons trucs. Ou imaginons qu'on ait. Une carte pour 0, je sais pas. On a un feu follet sur le board. Et puis 2-3-3. Il se peut que les 2-3-3 se transforment en élémentaire de terre 7-8 provocation. Et que le pingouin se transforme en 1012, tu vois. Enfin, ou le feu follet. Enfin, du coup, ça peut être très fort. Vraiment très fort. Et en plus, comme si c'est pas fini, le pouvoir héroïque, c'est une évolution, mais ciblée.
Ça transforme un serviteur alien en un serviteur aléatoire qui coûte un de plus. Du coup, c'est très RNG, et puis même le chaman d'évolution était déjà très fort. Mais je trouve que la carte est vraiment intéressante, et si jamais c'est le héros que je débloque en faisant l'aventure, je me ferai un joie, enfin une grande joie de le jouer, si jamais il est bon. Mais a priori, il devrait l'être. Enfin, je trouve que vraiment c'est un héros très fort, et enfin, je le mets en seconde position de la force des héros. Enfin, voilà, selon ceux qui ont déjà été révélés, il en reste encore 4. Oui, 4. Du coup, voilà, Thrall, le Morvoyant, c'est très intéressant. Je crois que j'ai fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai fait que 15 cartes sur 89 en une demi-heure. Même si les légendaires prennent plus de temps à analyser que les communes, les rares, les épiques. Enfin, après, ça dépend, mais. Parce qu'il y en a certaines sur lesquelles j'ai beaucoup de choses à dire. Mais si jamais je vous le faisais en une vidéo, déjà ce serait pas regardable, vu que la vidéo durerait. Si on fait proportionnellement au temps, elle durerait 4 heures. Enfin, non, pas 4 heures, un peu moins, mais. Plutôt 3. Mais je vais pas faire une vidéo de 3 heures et je vais probablement pas mettre 3 heures à expliquer. Mais bref, vu que je vais pas mettre autant de temps sur des communes qui servent à rien que sur des. Que sur, par exemple, le héros voleur, sur lequel on va passer tout de suite. Transition de qualité. Pour 9, ce qui est très cher, étant donné qu'en voleur, soit on a gagné avant, soit on n'a pas encore gagné, mais après, voleur, on peut encore faire plus lent. Mais dans un voleur quête, bon, je pense pas que ça puisse être joué, surtout que le voleur quête va être un peu abandonné vu comment il a été nerf. C'est Valyra Lexang. Je croyais que c'était la ténébreuse ou je sais pas quoi en anglais, je préférais le nom en anglais. Gagne 5 d'armure et surtout. Un cri de guerre, un camouflage jusqu'à votre prochain tour. Du coup, c'est très fort. C'est un peu une sorte de bloc de glace, mais en un petit peu moins bien quand même. Mais en plus, il y a les 5 d'armure. Du coup, même si en face on a, je sais pas, un prêtre qui veut nous faire une attaque mentale, ben ça nous sera contré. Entre guillemets. Mais même si ça coûte 9, je trouve vraiment que déjà le cri de guerre est très 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 fort. C'est le héros qui gagne camouflage. Et surtout le pouvoir héroïque. Premier pouvoir héroïque passif d'un héros qu'on peut jouer, il me semble. Parce qu'après, il y a eu. Enfin, Jaraxxus, c'est pas passif. Puis après, il y a les autres pouvoirs héroïques de temps en temps qu'on peut choper. Mais bref, Ombre de la Mort, pouvoir héroïque passif. Pendant votre tour, ajoute une carte Reflet Ténébreux dans votre main. On peut en avoir. Enfin, note, vous ne pouvez pas avoir plus d'une carte Reflet Ténébreux dans votre main. La carte ne fonctionne qu'avec les cartes coûtant 5 mana au moins et elle disparaît à la fin de votre tour. Coûtant 5 mana ou moins, je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que dans tous les cas, enfin, je trouve que c'est mieux que ce soit limité à 5 mana ou moins, plutôt que ce soit pas limité. Parce que si jamais c'est limité à 5 mana ou moins, ça veut dire que, par exemple, on joue une carte pour 6, il va pas essayer de nous copier la carte pour 6 et on va pouvoir rien faire, tu vois. Alors que si jamais on fait pièce, puis T6, ben, on va pouvoir repièce, en fait. Même si on a posé le T6 entre. Genre, je sais pas si vous voyez, on a 5 de mana, on fait pièce, on pose un T6 et on peut refaire une pièce après. Parce que du coup, ça n'a pas pris en compte le 5 mana. Le reflet ténébreux, si on l'utilise pas à la fin du tour, il est perdu. Comme la vidéo de présentation, déjà, pour les géants arcaniques, c'est très fort, surtout quand ils commencent à coûter rien. Genre, un géant arcanique pour 1, pour 2 ou pour 0, ben c'est très fort parce qu'on a une autre 8-8, puis même. Une pièce c'est très fort parce qu'on en a deux, puis je sais pas, on fait préparation, éventail de couteau, puis on refait un éventail de couteau, comme ça on pioche des cartes, puis même n'importe quelle carte, ça devient vraiment très fort, vu qu'on a un peu une carte bonus qui sera quand même payante, hein, mais en termes de coût en carte, ce sera beaucoup moins élevé vu qu'on en a une de plus gratuite par tour, qu'en plus on peut choisir, du coup c'est vraiment très fort. Même si à la fin du tour la carte est perdue, il y a peu de tours où on l'utiliserait pas, je pense. Mais et elle peut être utilisée qu'une seule fois par tour. Hein. C'est pas à chaque fois qu'on veut faire n'importe quoi, on pourrait, parce que sinon ça serait cheaté, parce qu'en plus c'est un sort. Mais du coup vraiment, ça serait vraiment quelque chose de super. C'est un héros vraiment que j'aimerais beaucoup tester, étant donné que je pense que c'est mon préféré actuellement de tous les héros, suivi par Thrall. Puis Rex,
Enfin non, puis Jaina, Rexxar à peu près à égalité. Et derrière Anduin, parce que Anduin il a pas une mécanique super exotique. Contrairement à Rexxar qui a un pouvoir héroïque que j'aimerais beaucoup tester, Thrall qui doit être très très fun à jouer, bien que très fort. Et puis Jaina qui est juste forte mais qui doit être cool à jouer quand même. Alors, on a fini le légendaire, du coup je vais faire une petite coupure. Ciao pour la prochaine vidéo, parce que là ça va être une fin de vidéo. Je pense que je diviserai en 4 cette partie-là, vu que tout simplement il y a eu 4 lignes, 16 légendaires je crois qui ont été déjà dévoilés, il me semble, hein. Du coup, bonne soirée pour la fin de cette vidéo, même si jamais il y en a eu 4 entre-temps, des fins. Ciao.